Le mois de la solidarité du Cercle de recherche et de formation islamique, CERFI, est lancé à Kaya du 17 août au 15 septembre. Environ 3600 personnes à travers 40 provinces du Burkina vont bénéficier d'un appui santé et alimentaire. Le lancement du mois de la solidarité avec Martin Ouédraogo et Yacouba Kouala. Le Cercle d'études, de recherche et de formation islamique se soucie des personnes en situation difficile au Burkina Faso. Il s'engage à apporter une assistance humanitaire à ces personnes pendant un mois. Cette année, le mois de la solidarité vise à atteindre 3600 bénéficiaires sur l'ensemble du territoire. Donc si vous êtes de la communauté, vous devez vous soucier des affaires, des préoccupations des autres Burkinabés. Et c'est en cela que le mois de la solidarité répond. Nous souhaitons que chacun puisse mettre le peu qu'il a, qu'on puisse regrouper ça ensemble et arriver à soutenir les frères et sœurs, l'ensemble de la population qui sont dans le besoin. À cette cérémonie de lancement du mois de la solidarité, des personnes déplacées internes ont reçu des vivres sur place. Et l'autorité provinciale en charge de l'action humanitaire se satisfait de la vision du cercle d'études, de recherche et de formation islamique. Au niveau de la province du San Matenga, nous avons vraiment une population qui s'est déplacée et il faut forcément qu'il y ait ces genres d'activités pour accompagner l'État. Voilà, donc nous remercions vraiment le CERFI qui a eu l'initiative d'organiser un mois de solidarité pour récolter des dons en espèces et puis en nature pour venir aux personnes qui sont en situation de vulnérabilité actuellement. Ce mois de la solidarité se tient sous le thème « Crise humanitaire au Burkina Faso, quelle contribution des musulmans pour soulager les personnes vulnérables ?»